Un très beau programme de Keiji Tanaka, le japonais, avec un patinage plutôt fluide. C'est un bon pirouetteur également. Oui. Beau programme du japonais. Et un bon sauteur. C'est vrai qu'il y a l'ensemble des triples sauts. Il manque juste une petite combinaison triple-triple pour que ce soit un programme presque parfait techniquement, en tout cas au niveau saut, pour un junior. Et c'est un très bon début de compétition. Effectivement, il a été décevant lors du premier cours, mais il s'est bien repris sur ce long et ça devrait lui permettre une belle remontée, parce que ça vaut bien plus qu'une 11e place au niveau mondial junior. Et c'est ce qui est dommage, hein, d'ailleurs, d'être un peu passé à côté de ce programme court, parce que ça pourrait lui coûter très très cher sur le classement final, parce qu'il faut rappeler qu'on a quand même beaucoup de très bons patineurs chez les messieurs. On pense à Denis Ten, le Kazakh, que l'on verra également tout à l'heure, mais il y a aussi le Chinois Yan Han, qui font partie aussi des grands favoris de ce programme libre. Bien sûr, et les Américains qui sont toujours très très forts au niveau junior également, et les Russes, même s'ils sont un peu moins convaincants cette saison. Là, on verra deux, hein, des Américains, Jason Brown tout à l'heure et Joshua Paris. Alors que là, on revoit quelques images de Keiji Tanaka. Oui, alors on peut rappeler qu'au niveau junior, la seule différence par rapport au programme senior, c'est qu'il y a en fait un pas en moins, une suite de pas en moins, et 30, donc des programmes courts, enfin des programmes longs qui sont plus courts de 30 secondes. Donc, ça leur permet d'être un peu moins essoufflés en début de programme, mais ça reste quand même des contenus très très denses. Beaucoup de talent en tout cas chez ce garçon Keiji Tanaka, entraîné par Utako Nagamitsu et Yuzuke Hayashi, son chorégraphe Kenji Miyamoto, qui a proposé donc ce thème des incorruptibles pour le japonais, qui va attendre désormais sa note, qui doit forcément être très déçu d'être passé à côté du programme court. 132-16 pour Keiji Tanaka. Ah, c'est très bon score. C'est très bon. Hein. Au-delà de 70 points en score technique, pour un junior, c'est vraiment très 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 bon. Il y a un total de 189-86 qui nous permet de prendre la première place. Keiji Tanaka, donc leader provisoire, en attendant bien sûr les autres, et notamment, on l'a dit, Denis Ten, le Kazakh, qui devrait même peut-être passer juste derrière.